Comment satisfaire une foule si nombreuse en besoins alimentaires dans un lieu si éloigné de la ville? Face à ce défi, Elise de Gonzague, première responsable de ce comité et toute son équipe, travaille dur chaque jour pour offrir un service optimal à tous les participants. Nous sommes présents sur le site d'Atiekwa en ce moment pour apporter notre contribution en tant que comité à tous nos frères pour qu'ils puissent se restaurer. Et nous pensons que la restauration est très importante au niveau de cette croisade parce que nous sommes dans un moment de jeûne et nous voulons amener les frères à observer la rupture. En tant que tel, nous avons mis sur pied beaucoup de dispositions telles que comment rompre le jeûne pour ne pas avoir de malaise après. Nous avons prévu les fruits, les jus de fruits pressés à froid. Et puis, nous avons prévu aussi les légumes pour ne pas que les frères vraiment mangent un peu de tout et qu'il y ait des problèmes pour que la digestion se passe très bien et surtout pour qu'ils soient légers pour pouvoir bien prier. Parce que vous imaginez quelqu'un qui sort d'un jeûne partiel et qui prend une alimentation un peu lourde pourra quand même soit trop dormir ou bien avoir le malaise ou bien avoir une indigestion. Et c'est pour pallier à tout ça que nous avons décidé en tant que comité d'apporter notre contribution. Et nous sommes là depuis le premier jour. Toute l'équipe est installée, comme vous avez pu bien le constater. Les sœurs, les frères, vraiment sont engagés à donner le service minimum pour que nous soyons, tous nos amis, nos frères soient satisfaits du ministère qu'on va leur rendre tout au long des 40 jours. À en croire Elise de Gonzague, la mission principale de ce comité est de servir les frères. À cet effet, toutes les dispositions ont été prises pour veiller à la bonne alimentation de tous et de chacun afin d'éviter d'éventuelles indigestions. Nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons fait des achats de plusieurs jours. Nous avons stocké les fruits, nous avons stocké les légumes, nous avons stocké de l'eau, surtout l'eau, parce que effectivement notre préoccupation, c'était à ce niveau-là. Parce que nous venons d'Abidjan, il y en a qui viennent de... Si l'eau n'est pas bien conservée, ou bien de bonne qualité, ça peut apporter les digestions, ça peut apporter beaucoup de dégâts. Des fruits et légumes, des boissons naturelles, des mets variés et diversifiés, bien légers pour une bonne rupture, sont toujours au menu. Il est 18h passé, c'est l'heure de la rupture. Après la prière, tous les frères se précipitent vers le marché pour s'acheter de quoi manger afin de prendre des forces. Ici, ce sont des plats faits maison, attestent les heureux témoins. Le repas d'abord, c'est très bien fait. Ça va, c'est la sauce tomate, c'est bien fait. Et ça va, elles accueillent bien les prix. C'est les prix, je trouve que c'est un peu... Bon, 500 francs peut-être pour d'autres, c'est bon. Mais pour d'autres aussi, c'est cher. Sinon, ça va. À part ça, il n'y a pas de problème, ça va. C'est prometteur. Ça prouve que dans les années à venir, ça ce n'est que la première année, ça prouve que dans les années à venir, nous allons rompre le jeûne à table. Nous félicitons les membres du comité de restauration pour les efforts qu'ils font. Et comme c'est essentiellement des femmes, nous les bénissons. Pendant que nous sommes en train de prier, elles travail pour que juste à la fin de la prière, au moins de 18 heures, nous puissions avoir quelque chose pour rompre. Que Dieu les bénisse. Je pense que même malgré qu'elles sont ici, les prières les atteignent ici, que la bénédiction de Dieu aussi arrive ici. Le comité de restauration en cette période de 40 jours partiels dans le jeûne joue un rôle important et inspiré de Dieu, surtout dans un lieu pratiquement désert et éloigné de la ville.